Pour moi, c'est une vraie découverte. Je ne connaissais pas du tout Tatiyou. J'en avais entendu parler parce que c'était un endroit exceptionnel, mais je ne connaissais pas du tout. Et d'abord, la première chose qu'on constate, c'est que c'est vraiment une île. Une île, Tatiyou, qui se dévoile au gré des marées, des caprices des éoles et de la météo. Une invitation au voyage, comme les aime particulièrement Jacques Rohou. Nous, on a l'habitude, les peintres de la marine, de bouger beaucoup parce qu'on peint à bord. Donc on a une grande habitude de ça. La difficulté, ce n'est pas tellement ça, c'est de courir après la lumière qui change tout le temps. Ça, c'est la plus grande des difficultés. Des aléas dont se moque bien Jean Lemonnier. Bien à l'abri du vent et du soleil, ses tournepierres et ses cormorans prennent forme. Là, c'est un petit peu un paradis ornithologique. Hein. C'est... Le lieu est incroyable. Donc, c'est sûr, c'est des animaux que j'ai vus ici. Hein. C'est complètement sauvage. Donc moi, comme je sculpte les oiseaux, la nature, ben, c'est formidable. Quoi. J'aurais jamais raté cette escale-là. Ils sont 11 à partager cette escale d'une semaine à Tatiyou. 11 peintres officiels de la marine, sculpteurs, peintres, photographes et dessinateurs, invités par le département de la Manche à croquer ce site exceptionnel. On n'a pas fait de commande particulière, on leur a demandé de s'inspirer des lieux. Certains vont être inspirés par les jardins, d'autres par les bateaux qui passent au large de Tatiyou, d'autres par la faune et la flore, les oiseaux, les poissons qui se trouvent dans le laboratoire de biologie marine. Et ils peuvent aussi s'inspirer des œuvres qui ont été détruites lors de l'incendie. 186 œuvres sur 207 sont parties en fumée l'été dernier. Une triste page que le musée maritime de Tatiyou veut enfin tourner.